Eh bien, salut les vilains! On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le Kingdom Hearts with Chain of Memories. On est parti! On est donc au hall d'entrée P7 et là on va avoir accès à de tout nouveaux mondes. Il y en a normalement 4. C'est d'ailleurs marrant qu'il y ait 5 cartes qui tournent autour de nous. Du coup, on a Atlantica, Pays Imaginaire, Forteresse Oubliée et la Forêt des Rêves Bleus. Donc ça, je crois que c'est le truc de Winnie l'ourson, très bien. Bah vous savez quoi, on va partir à Winnie l'ourson, voilà. En fait j'ai un doute si c'est Winnie l'ourson ou pas. Du coup on va répondre à cette question immédiatement. Let's go. Donc je pense qu'on va faire la même chose puisque ça devient de plus en plus dur évidemment au fur et à mesure qu'on avance dans de nouveaux mondes. Il nous faut de plus en plus de cartes avec des conditions compliquées. Donc je ferai des cuts quand vraiment il y a trop de farm à faire. Des fois je vous fais économiser 30 minutes sur une vidéo en fait qui de base on a un record de 1 heure. Bah du coup vous avez 35 minutes de vidéo. C'est quand même un peu mieux, c'est juste pour me voir frapper encore et encore les mêmes ennemis. Voilà, c'est pas passionnant. Ça ne va pas petit ourson? Je cherche mes amis. Ils sont par ici? Il n'y a personne pourtant. Alors peut-être que je cherche personne? Tu cherches personne? C'est sûrement ça, mais personne n'est nulle part. Et à force de chercher, ça m'a donné faim. Je me demande s'il y a du miel quelque part. Oh, mais si je me mets à manger, je vais devoir arrêter de chercher. Nous pourrions chercher tes amis ensemble? Personne, tu veux dire? Non, tes amis? Ils sont peut-être dans les parages. Cherchons-les ensemble. Tu cherches aussi mes amis? Non, mais je cherche les miens. Et est-ce que ce sont des amis de mes amis? Je ne sais pas. Mais je sais ce qu'on ressent quand nos amis sont loin. Si on les cherchait ensemble. D'accord, Sora. Bon, déjà avec le mec, il a sorti mon prénom, ça a pas plus choqué que ça. Très bien, alors putain, Winnie l'ourson, il fout, il me fout dans une dépression, là. Apparemment, true story, je kiffais Winnie l'ourson quand j'étais petit. Je ne sais pas pourquoi, mais si Winnie l'ourson était vraiment comme ça dans le dessin animé, putain, je vais être sacrément chelou déjà, très petit. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Attention! Une citrouille! Oh mon dieu, catastrophe! C'est certainement un attentat terroriste. J'ai eu chaud! Ça va, Winnie? Oui, je crois. D'où est sortie cette citrouille? Youhou! C'est nous, la Team Rocket! Oh putain. Quelle est cette chose? Coco Lapin! Oh, comme vous tombez bien. Jeune homme, pourrais-tu m'aider à trier mes légumes? Cette citrouille était donc à toi? Est-ce qu'on peut éviter le tri de légumes? Ça a pas l'air genre méga fun. Apparemment, faut lui reparler. Voulez-vous aider Coco Lapin pour le tri? Une autre fois, ouais. Si c'est vraiment secondaire, on va éviter le tri de légumes, hein? Voilà. Je fais plus ça depuis Adibou, merci. C'est marrant, on dirait qu'ils ont construit ces 4 nouveaux mondes de manière totalement différente. Hein. Il n'y a plus ce système de salles, de portes, de clés. Bon, c'est peut-être un peu vite dit, mais voilà. Je me demande à quoi servent ces ballons. Peut-être qu'en fait, c'est uniquement le monde de Winnie l'ourson qui est construit différemment. C'est déjà le cas dans le premier Kingdom Hearts. Ils ont voulu peut-être refaire la même chose. Voulez-vous voler avec les ballons? Ça a l'air risqué, ça a l'air marrant. On va essayer. Hein. Ah, merde, mais c'est un mini-jeu. Atteignez la cime tout en récupérant des pièces. Lorsqu'il vous reste moins de 3 ballons, vous pouvez en prendre un nouveau. Appuyez sur rond pour monter dans les airs. Un ballon éclate au contact de branches ou d'abeilles. La partie s'achève si vous n'avez plus de ballons. D'accord.
Ouais, bah il fallait peut-être me prévenir que c'était un mini-jeu. Je m'attendais pas à ça. Ok, donc ça marche comme ça. Ok, c'est une sorte de Flappy Bird en fait. Mais un Flappy Bird casu quoi. Ah merde. Il y a des abeilles là. Mais non, mais c'est pas mon ballon qui a été touché. Je rage sur un mini-jeu Winnie Ourson quand même. Hein. Est-ce que ma vie est triste ou pas? Ils ont même mis un système de meilleur score et tout. Ils ont cru qu'il y a des gens qui allaient passer leur vie sur ce mini-jeu. Enfin, je dis ça, mais je sais qu'il y a des mecs qui ont vraiment rien à faire de leur vie, qui ont dû le faire. Genre, world record du mini-jeu Winnie l'ourson. Bon, alors par contre, ces abeilles, je savais pas comment les esquiver. Très bien. Je vais quitter, oui. Voilà, hein, ton mini-jeu ballon, bof bof. Du coup, on va continuer par là. Ah, ça va être un monde qui va se faire tout seul. On va avancer, puis on va nous dire au revoir. Et puis voilà, on aura fini un des quatre mondes. C'est peut-être pour une fois qu'on va pas arrêter un épisode à la fin d'un monde. C'est possible. Ah, ça c'est Tigrou ça. On l'oublie pas celui-là. Wouhouhou. Eh, ça te dirait de bondir avec moi? Encore un mini-jeu, mais non, je ne veux pas. Je vais partir en courant les amis. Hein. Au revoir. Quel est ce monde? Pourquoi j'ai choisi Winnie l'ourson? Je ne sais pas. C'est très bizarre. Ah donc vous voyez maintenant la barre de vie de Sora en fait ne va pas faire un rond complet mais elle va partir très loin à droite. Bah, je crois que c'est comme ça dans le premier mais j'oublie pas mal de trucs. J'ai vraiment une mémoire très sélective. Alors cette fois-ci on arrive où? Du vent s'échappe de ce puits. Incroyable. Est-ce que ça serait encore un mini-jeu? Attends, on va voir. Ah, il faut peut-être aller dedans, tout simplement. Ouais. Ok. Oh putain, c'est encore... Mais c'est vraiment encore un mini-jeu, quoi. Ils m'ont même pas demandé, là. Cette fois-ci, ils ont fait, bon, bah, tu fais le mini-jeu, ferme ta gueule. Si vous touchez un obstacle, appuyez sur triangle pour reprendre Winnie ou vous ne pourrez plus récupérer de pièces. Faites une vrille avec le joystick gauche plus 1 pour esquiver les obstacles et atteindre les pièces plus rapidement. D'accord. Bon, ce mini-jeu a l'air un peu plus stylé, mais quand même. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un mini-jeu comme ça dans un Zelda, dans le Skyward Sword, ça me fait penser. J'avais vu un gameplay où il y avait un truc comme ça. Ça avait l'air plutôt fun d'ailleurs. Et je crois même qu'il y avait un truc comme ça dans un Mario Galaxy. Ouais, bon, j'espère que c'est pas trop long par contre. Hein. Parce que j'ai pas l'impression de descendre. Il est chaud le puits là, à balancer des arbres et tout. Attends, il faut ramasser Winnie. Voilà. Ah, oh, il est chiant Winnie. Reviens là. Ok, ça doit être fini là. Ouais, j'ai réussi le mini-jeu. J'espère qu'il va pas falloir réussir tous les putains de mini-jeux pour se barrer d'ici. Petit gourou, que faisais-tu dans ce puits? J'étais tellement occupé à chercher Tigrou que le vent m'a emporté et je suis tombé dedans. Tu étais coincé? Non. J'attendais Tigrou pour que le vent nous porte tous les deux. Si Tigrou se laisse porter par le vent ici, je serai là. Ça risque de surprendre Tigrou, pas vrai? Mais s'il ne tombait pas ici? Oui, si Tigrou se laisse porter par le vent, peut-être qu'il bondira plus loin. Pour tout vous dire, je commençais à me sentir seul et à en avoir assez de l'attendre. Pourquoi ne pas essayer de le retrouver plutôt? Ah oui, bonne idée. Oh, regardez ce que j'ai trouvé dans les buissons, tenez. D'accord, merci. Il est méga badant ce monde, hein. Méga, méga badant. J'espère qu'on va partir très vite. Oh putain, il y a l'âne. On est obligé de lui parler. Je crois que oui. Bonjour.
Apparemment, c'est un cul-de-sac après ça, hein, donc... J'ai encore perdu ma queue, évidemment. Tu sais où tu l'as perdue? Oh, miam! J'ai trouvé! Je savais que si j'écoutais mon ventre, je trouverais du miel. Et sûrement énerver les abeilles en prenant leur miel. Ok. Voulez-vous récupérer du miel? Oh putain, mais non, mais what the fuck? Pourquoi j'ai rejoint ce monde? Moi, je suis totalement fou. Je sais pas ce qui m'a pris, j'aurais dû m'attendre à une connerie dans le genre. Je suis totalement choqué. Laissez-moi partir. Ah, attends, il y a un point de sauvegarde là. On va save. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir quitter cet enfer? Youp là, la petite save. OKLM. Vraiment, je vais faire des cauchemars Winnie l'ourson là. Je commence à vraiment me poser des questions de quand j'étais petit, comment je faisais pour regarder ça. Parce que les personnages sont ultra flippants en vrai. C'est grave malsain, j'ai l'impression. Attends, est-ce que... Non, oh merde, on est revenu ici. Non. Ne me dites pas que je suis prisonnier à jamais du monde de Winnie l'ourson, ce n'est pas possible. Il y a forcément un truc à faire, est-ce que je peux pas interagir avec la bûche là? Voulez-vous partir d'ici? Oui! Je vous en supplie! Ah, il va y avoir un ennemi à combattre, truc comme ça là. On ne peut pas aller plus loin. Alors Winnie, ça t'a plu de chercher nos amis ensemble? Oh oui, Sora. Pour te remercier, je vais t'offrir ceci. Pouf! J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je crois que je vais me reposer un peu. Si seulement j'avais un pot de miel pour me tenir compagnie. Je vais devoir y aller. Où ça? Chercher mes amis? Ouais, Winnie l'ourson est grave flippant. Vraiment, et il te sort des... des putains de phrases. T'as l'impression de tirer d'un film d'horreur. Je sais pas pourquoi je l'imagine comme ça, mais... Non. You're... Riku! What are you doing here? Not happy to see me? Let me know if I'm getting in the way. You know, of something that's more important. Huh? I didn't mean that. Spare the excuses. I bet that you had all but forgotten about me. Are you crazy? Come on, I came all this way looking for you! But you're not anymore, right? Now it's only Naminé that you're looking for. You don't care about me, just like you never cared. At all. About her feelings. Naminé's? I knew it. Never even gave it a thought, did you? Just 'cause you want to see Naminé. Sorry. Doesn't go both ways. Tell you the truth, Naminé doesn't even want to look at your face. Why not? You should ask your memories. Why Naminé disappeared from the islands. Remember that, and you'd know. Did I do something? Is it my fault? Riku. Go home, Sora. I'll care for Naminé. Anyone who goes near her goes through me. What's wrong with you? We're supposed to be friends. Please, Sora. Since when have you ever cared about me? Naminé's not the only one who's sick of looking at you. So am I. Riku, stop it! Elle lui va tellement mal cette tenue, je trouve. Ils ont voulu lui dessiner des pecs, mais sur une sorte de corps d'enfant comme ça, là, ça colle pas du tout. Et on est parti, du coup, on affronte Riku. Si je m'attendais à ça, bon bah c'est pas Riku, hein, on est bien d'accord, hein, c'est clairement le sort de servant dont ils avaient parlé, là, l'organisation. Waouh, il est chaud! Mais il est chaud! Mais attends, mais j'étais pas prêt du tout là. C'est pas bon de me faire ça.
Ok, d'accord, il veut ma mort. Il veut clairement ma mort. Très bien. J'espère qu'il va pas être aussi dur que l'Arxin, parce que l'Arxin a été vraiment galère. Hein. Des trucs. Hop, je te break. Ta gueule. Ok, ok. Il est où? Stop. À moi de frapper un petit peu. Hop, je te 4 break et en plus je lance plutôt. Par contre, tu vas me 4 break derrière, c'était évident. Hop là, pas touche. Ok, là, j'attends que TNF elle part et là je te tabasse. Ça c'est chaud de garder un œil sur le terrain et sur les cartes là en même temps. Il faut que je regarde trois endroits en même temps. Et en même temps, quand je regarde ces trois endroits, il faut. Bah, du coup, j'ai pas l'occasion de faire attention au PV de l'ennemi et mes PV à moi, quoi. C'est tellement galère. Si seulement ils avaient mis toutes les informations au même endroit. Non, non. T'as le bord gauche de l'écran, le bord droit de l'écran. En fait, tous les bords de l'écran. Plus le milieu, et en plus, c'est un système action RPG, du coup, t'as pas le temps de faire de pause pour chercher l'info que tu veux. C'est une galère. Calme-toi. Hop, je me heal. Non, d'accord, tu me break, très bien. Il va falloir se calmer, monsieur. Hein. Il va falloir sérieusement se calmer. Ok, il est en train de me défoncer, voilà. Non, il a l'air chaud. Franchement, il a l'air super chaud. Vu comment il me défonce, là. Il est vraiment en train de me déboîter. Hop, je me soigne. Ah, putain, merde, il avait une carte à 5 comme par hasard. Ah là 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 là, mais lui, tous ses coups touchent quoi, c'est affreux. Du calme. Vas-y, laisse-moi te card break un petit peu, voilà. Ah putain. Soigne-toi, Sora. C'est urgent là. Hop, je te mets un petit coup à 8. Putain, mais il fait trop mal. Mais regarde, il fait des bons là vers moi, c'est cheaté ça. Arrêtez de donner des compétences spéciales aux ennemis, sérieusement. Déjà qu'ils sont assez forts comme ça. Hein. Il a trop de cartes zéro cet enfoiré. Hop, je me soigne encore. J'ai bien fait de mettre 5 soins. Hein. Enfin, 5 soins, pardon. 3 soins. Oui, je ne sais pas compter. C'est la galère. Arrête. Oh là là. Et il reste plus beaucoup d'HP là. Je vais stacker celle-là. Stacker celle-ci. Je me heal. Voilà, full life. J'espère qu'il va pas sortir des combos de l'infini à partir de maintenant là. Il est tout à fait capable comme l'Arxin faisait à chaque fois. Pas besoin de me soigner. Ah, vite, faut que je stack celle-là. Et normalement, ça a piqué là. Pique-le! Pique-le lui le cul là! Voilà, donc dingo. Putain, je me fais card break. Allez, une carte quoi. Alors, j'en avais 3. Ah, putain, je me fais défoncer. Non, je vais pas utiliser un soin dans le stack. C'est pas grave. Je vais me soigner. Pardon. Je sais même plus ce que je fais en fait. Je veux me recharger, je me soigne, enfin je crois. Là. Je veux juste win. Il fait chaud. Je sais même pas comment la chaleur elle entre là, je joue jamais, mais putain de rideau. Je suis constamment à l'ombre, mais c'est pas grave. C'est un sauna quoi. Faut vraiment une clim. Mais arrête, putain, t'es méchant. Mais voilà, là, il va casser les couilles. Regarde, il reste très peu de vie, du coup, je peux rien faire. En plus, il m'assomme. Ah, je vais avoir le seum. Arrête, s'il te plaît. Alors, tu sais quoi, je vais stacker mes cartes, parce que de toute façon, c'est un peu last standing, là. Oh, yes. Oh, putain, Dingo, il lui a mis un coup, genre, une moitié de barre qui s'est barrée. Trop puissant.
Franchement, sur la fin, on a eu grave chaud. Les ennemis de Kingdom Hearts, quand il leur reste vraiment très peu de PV, mais ils deviennent beaucoup, beaucoup trop forts. À mon avis, c'est une erreur de game design, parce que... généralement, ils sont assez longs, les boss, à combattre. Et puis, à la fin, tu te fais laminer, tu peux rien faire. T'as l'impression d'avoir joué pour rien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On booste les HP, hein. Allez, hop, on booste les HP. Il est content, Sora, c'est génial. Par contre, j'ai l'impression qu'avant, quand je boostais ma HP, je gagnais 25 HP. Maintenant, j'en gagne plus que 15. Oh, Riku, please wait! Il s'est barré comme une pute. Déjà, il m'a fait un coup de jalouse, là. Après, il se barre comme une tapette. Allez, on avance. On a fini un monde très rapidement. Enfin, très rapidement, ça a quand même pris 20 minutes, hein, cette connerie. Riku, where are you? Sora? Are you okay? Don't worry about me. Riku, what happened? Sure was strange. Almost like Ansem was back, controlling Riku again. But we got rid of Ansem for good. Then I wonder what is wrong with Riku. Hold on! The team! If he's with Riku, he might be in danger. Sora? I know. You're thinking Riku isn't your friend. But that's just not true. You sure? Well, I know he said some awful things to you back there. But you gotta remember, we are in Castle Oblivion. Why, folks lose their memory here a little bit at a time. Riku's probably just forgotten that the two of you were such close friends. That's all. So he just forgot? My guess is that's so. But Sora, instead of being sad, we have to figure out a way to help Riku get his memory back. If we all work together, why, we're sure to get you through this. No need to mow. Jiminy's right. You shouldn't push your friends away. Yeah. Okay. Sora, do you remember our very first promise? Huh? Always smile. That was the promise we made to each other the first time we met. We promise to never forget to keep smiling. You're right. Bon bah du coup, ok, le monde de Winnie Ourson, c'était vraiment une sorte de mini monde bonus, quoi. On va sauvegarder, je pense qu'on va commencer à entamer un nouveau monde. Ouais, ça fera une première, on n'a pas terminé l'épisode dans un hall d'entrée. Bon. Faut bien une première fois à tout. D'ailleurs, je pense qu'on a dû le faire déjà dans un des premiers épisodes, c'est possible. Hop là, voilà, on va avancer. Et cette fois-ci, du coup, il nous reste plus que 3 mondes. C'est cool, moi j'aime quand ça avance vite comme ça. On va partir sur... Là, j'hésite énormément. Allez, sur le pays imaginaire. C'est là qu'on va savoir, est-ce que maintenant, à partir de là, les mondes vont tous être différents, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Parce que le côté répétitif des précédents, c'était moyen. Et je crois que non, on est reparti sur un... Ah non, attends. Ah ah, la pièce paraît plus petite. On va voir, attends, c'est pas dit parce que généralement Asiatique commence comme ça. Où sommes-nous? Le sol n'est pas très stable. Et j'entends l'océan. Je sais, on doit être sur un bateau. Bon, il faut trouver la sortie.
Et de quel côté aller? Quack? Qui es-tu? Elle essaie peut-être de nous aider. Oui, tu as raison. Ouais, donc ok, on est reparti sur le système de clés et de portes. Et on peut voler maintenant. Voler dans les airs en sautant, puis en maintenant en rond enfoncé. Très bien, let's go. Let's go du coup. On va rusher, hein. Ça aussi, je vais vraiment m'en tenir à ce que j'avais dit lors de l'épisode sur... c'était quoi l'épisode sur Agrabah? Non, je crois que c'était celui juste avant. Putain, je me perds. Je me perds dans les songes, moi aussi. J'ai vraiment l'impression d'être dans le... dans le Castle Oblivion. Du coup, on va passer par là. Youpla. Est-ce qu'on a les cartes qu'il faut? Dites-moi que oui. Une carte valant au minimum 1 ou 0. On a forcément ça, celle-ci. Elle vaut 1. Bim, bam, boum, on passe. Allez, allez, on rush ça très très vite. De toute façon, ce monde, je pense qu'on le fera en deux vidéos, du coup, hein, puisqu'on a quand même bien entamé le temps de la vidéo avec Winnie l'ourson. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que ça s'ouvre? Ça demande quoi? Une carte valant au minimum 2 ou 0. On va chercher une qui vaut 2, celle-ci. En plus, c'est parfait, on va visiter une salle qu'on a encore jamais visitée, la sorte de salle extra. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Surprise, surprise, on y arrive. Ah, ces chargements, ils me tuent. Vraiment, ils me tuent. On passe plus de temps dans les chargements que dans les salles, j'ai l'impression. Alors, salle extra, c'est ça? Bah, pas l'air d'être particulièrement spécial, non, je sais pas. Ça donne quoi, ça? Donc, ça me donne une petite carte d'attaque. Pas fort du tout. Très bien. Alors, en plus, c'est un cul-de-sac ici. Bah, génial. Allez, du coup, on remonte directement. On perd pas de temps. Non, tu veux bien monter, merci. Hop là, allez. Ce n'était donc pas par là. Et c'est pas ici. Qu'est-ce que ça demande? Pareil, du coup, je peux faire une salle mog ou une salle coin saumant. Je vais faire une salle mog. Comme ça, on va avoir un booster. Un booster gratuit. Par contre, je crois que j'ai plus trop de points mog, donc on pourra pas s'en acheter d'autres. Et puis, de toute façon, quand on fait des ouvertures de booster, on a que de la merde, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, prends ce pack de cartes, c'est cadeau, Coupeau. Merci, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une 5, une 6, une 3, une 5 et une 6, c'est de la merde. Au revoir. Un vrai plaisir. Du coup, attends. Ah, voilà, il y a une porte importante ici. Est-ce que c'est celle qui demande notre clé Non, c'est pas la bonne. Est-ce que la clé qu'on a s'appelle comment déjà? La clé d'ouverture. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Ok, donc on sait que déjà notre deuxième destination, ça sera cette salle mog. Donc ça c'est pour plus tard. Oh, et merde, on part sur un fight. Très bien, j'espère qu'ils vont au moins me donner une bonne carte. On n'est pas trop perdu notre temps avec eux. Par contre là j'ai vu un ennemi qui était particulièrement casse-couille déjà dans le premier. Cette boule là, cette boule a été vraiment super chiante. Je sais pas si vous vous souvenez, on était dans une sorte de zone des enfers là. Et ils en avaient fait spawn 3 milliards. J'ai vraiment galéré pendant une heure sur ce passage là. C'était un enfer, un enfer. Hop là, Dingo, il fait son massacre. En vrai, Dingo, faut que je commence à le respecter. Hein. Il est grave fort. Il a totalement défoncé la gueule à Riku tout à l'heure là. Hop, on va se charger. Bloup, bloup. Toi. Je te défonce. Et toi je te termine. Ok, on chope une carte bleue 4 en espérant qu'elle nous sera utile très prochainement. Hop. On va éviter les ennemis, hein. On va les éviter. J'ai déjà suffisamment farmé dans ma vie. Alors pareil, c'est vraiment toujours la même chose. Du coup, est-ce que j'ai une carte qui vaut 2 encore une fois? J'ai... Ah ouais, c'est vrai que j'ai celle-ci qui vaut 2. Hop, bouffe-moi cette carte. Et laisse-moi donc passer. Par élimination, je crois que ça peut être plus qu'ici finalement. Hein. Ouais, il y a donc une porte importante qui est juste à droite. Peut-être un peu plus haut que ça. Merde, je peux pas l'atteindre.
Faut que je grimpe sur la caisse, c'est ça? Tac. Ah, il faut sauter après, s'il te plaît. Merci. Tac. Je peux pas monter là-dessus? C'est bien dommage. Allez, hop, pour la peine, on se fait aggro. C'est parti. C'est le même groupe d'ennemis. Il n'est pas si compliqué que ça. Viens Donald. Viens donc m'aider. Hop, en plus il est 8. Il risque pas de se faire 4 break. Ah, ils sont chiants ceux-là. À se coller au sol. Plutôt je m'en fous. Et voilà. Faut me choper une petite carte bleue. Je crois que c'est la même que tout à l'heure, mais niveau 8. On va ouvrir ça. Vas-y. Merci pour la petite vie. Du coup, croisons les doigts pour que ce soit cette porte. Et c'est cette porte. Du coup, il faut une carte qui vaut 5 pile poils. On devrait avoir ça. Voilà, j'ai ça. Hop, c'est parfait. Et la clé d'ouverture. Parfait, on avance, ça fait plaisir. Je délire ou toutes les pièces commencent à se ressembler? Peut-être qu'on tourne en rond? Tu parles d'une aide? On dirait que tu lui as froissé les ailes, Donald. Clochette, que fais-tu? Tu n'étais pas censé revenir avec des pirates. Arrière, pirate. Ou ce sera votre dernier combat. Mais c'est quoi cette histoire? On n'est pas des pirates. On est là pourquoi on est là, Sora? Hein? Comment veux-tu que je le sache, Donald? Dingo, qu'en penses-tu? Aucune idée. D'accord, je vois. Sora, Donald et Dingo, c'est bien ça? Si vous étiez de vrais pirates, vous ne seriez pas perdus sur ce vaisseau. Et puis, vous avez une drôle d'allure. Non mais dis donc. Attends, si tu nous as pris pour des pirates? On doit être sur un bateau pirate. Applaudissez. Applaudissez Sora. On a trouvé notre nouveau capitaine Obvious. C'est génial. Exact. Vous êtes retenu à bord du vaisseau. De ce vieux poisson pourri de capitaine Crochet. Mais alors, si on est prisonnier, tu l'es aussi. Moi? Ne dis pas de bêtises. Personne ne peut capturer Peter Pan. Je me fais juste tout petit avant de passer à l'action. À l'action? Les pirates ont enlevé mon amie Wendy. Elle doit être quelque part sur ce vaisseau. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gardes. Alors j'ai envoyé Clochette en reconnaissance. Mais elle n'a trouvé que vous. Je crois que je sais ce que Clochette avait en tête. Si on fait assez de grabuges tous ensemble, on détournera l'attention des pirates. Oh, tu as dû lire dans ses pensées. Qu'en dis-tu? Faisons équipe au moins jusqu'au pont. Pourquoi pas? Bien sûr, je pourrais sauver Wendy seul si je le voulais. Mais je crois que vous serez coincé sans moi. C'est quoi ce malotru? Putain, mais Kingdom Hearts me fait réaliser que tous les héros de mon enfance sont des fils de pute. Voilà, c'est génial. Merci, merci Kingdom Hearts. J'adore. C'est vraiment le jeu qui brise ton enfance. Du coup, on a cette clé là, il fallait qu'on retourne à la salle Mug pour en faire bon escient. Donc attends, pourquoi c'est fermé par là? Je vais ouvrir le plan. Plan. Du coup, la salle Mug est ici. Cette porte, on pourrait l'ouvrir parce qu'à mon avis, plus tard, il faudra aller bon, forcément soit là, soit là. Mais bon, pour l'instant, on va aller checker la salle Mug. Youpla!
Merveilleux. Normalement, c'est un coup par là. Puis je crois qu'il faut aller à gauche. Voilà. Et là, on y est. Du coup, puisqu'il va y avoir une cinématique, tout ça, je pense qu'on va se laisser là. Pour cet épisode Kingdom Hearts 3 Chain of Memories, ça aura fait un record de 35 minutes, certainement une vidéo de 35 minutes aussi, puisqu'il n'y a rien à couper, hein, c'était plutôt cool cette fois-ci, je me suis bien amusé. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez passé un plutôt bon moment, et sur ce, je n'ai plus une seule chose à vous dire tout le monde, tchuss, et à la prochaine.